Amis, frères et sœurs, nous avons allumé la première bougie de la couronne de l'Avent. C'est donc le premier dimanche de ce temps. Nous découvrons ou nous redécouvrons une nouvelle liturgie. Et tout nous invite au changement pour entrer dans ce temps de l'Avent qui veut dire attente. Les quatre dimanches de cette période ouvrent le chemin jusqu'à Noël. Nous vivons les jours les plus courts de l'année et les moins lumineux aussi. La situation internationale actuelle reflète une profonde instabilité. Elle est une source d'inquiétude et de préoccupations multiples. Elle est génératrice de peur et de colère. La peur, comme la colère, est une mauvaise conseillère. Elle pousse l'être humain au repli sur soi, à la protection parfois exagérée, disproportionnée, favorisant l'endurcissement des cœurs. Et cet endurcissement peut se reconnaître par une fermeture telle que l'être humain arrive à rendre son cœur tellement dur qu'il finit par se pétrifier. Il devient dur comme de la pierre jusqu'à ne plus rien ressentir et surtout pas du tout être attentif à l'autre, quel qu'il soit, et cet autre lui devient étranger. Son cœur devient insensible jusqu'à l'indifférence. La fin d'un monde se caractérise par des jours difficiles. Et il semble que ces jours particuliers traversent régulièrement les générations quand elles sont marquées, entre autres, par cette insensibilité repérable. Et déjà l'apôtre Paul en faisait la remarque à Timothée dans sa seconde lettre. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien. » Si la peur est mauvaise conseillère, elle est comme un arbre qui cache la forêt. La peur rend pêcheur, entre guillemets, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'elle coupe l'être humain de Dieu ou du divin. Et être coupé de Dieu dans le contexte biblique, c'est ne plus avoir confiance ni en Dieu, ni dans les autres, et par voie de conséquence, ni en soi. Cela rejoint la situation décrite dans le livre d'Ézéchiel, dont nous venons de lire un extrait. À cette époque, la fin du 7e siècle, début du 6e avant notre ère, la situation internationale est complètement bouleversée. Les Assyriens et les Égyptiens sont battus par la nouvelle puissance babylonienne. Les chefs du royaume de Juda, ayant pour capitale Jérusalem, font de mauvaises alliances politiques qui conduisent au premier siège de Jérusalem en 597 avant notre ère, qui essaie de résister mais en vain, provoquant la première déportation la même année, en particulier celle des élites. Puis une nouvelle révolte, celle de 587, fragilise dangereusement Israël qui assiste impuissant à la destruction de Jérusalem et du Temple, et c'est la seconde vague de l'exil à Babylone. Ézéchiel, prêtre attaché au temple de Jérusalem, est déporté dès la première période en 597. Et sa prophétie est intimement liée à cette situation. Avec un style qui lui est particulier en tant que visionnaire incomparable, Ézéchiel va tenter de relire théologiquement cette situation désespérée.
Et l'exil va être compris comme la conséquence de l'endurcissement du cœur du peuple d'Israël envers son Dieu, qui s'est éloigné du Dieu de ses pères. Ce peuple qui a préféré ne compter que sur lui-même en faisant de mauvaises alliances politiques et qui s'est laissé tenter par d'autres cultes que celui du Dieu d'Israël. Alors, nous trouvons dans le livre d'Ézéchiel, dans sa première partie, des prédictions de malheur contre le peuple, des prophéties contre les autres nations, et puis l'insoutenable nouvelle de la chute de Jérusalem, qui fera murmurer le peuple contre Dieu en disant « Mais notre espérance est détruite, nous sommes perdus !» Ézéchiel sera le prophète qui mettra le peuple d'Israël devant ses contradictions, devant la réalité de sa situation, usant de comparaisons et d'images aussi sensationnelles les unes que les autres, pour essayer de rejoindre le peuple là où il en est, c'est-à-dire au plus bas, le peuple loin de sa terre, privé du temple. Alors le peuple est obligé de s'examiner, de se sonder, de tenter de répondre à de nouvelles questions. Mais comment va-t-on pouvoir rendre un culte à Dieu puisque l'impensable s'est produit avec la destruction du temple ? Le peuple ne va-t-il pas être obligé de se réformer en quelque sorte ? Il va falloir inventer quelque chose de nouveau et retrouver la présence du divin autrement. Et par l'intermédiaire d'Ézéchiel en particulier, le divin va prendre corps contre toute attente dans le peuple, lui-même, malgré l'amour déçu de Dieu pour son peuple. Et à ce peuple abattu, perdant courage et risquant de se perdre en même temps, ayant perdu le temple et la foi dans le Dieu de ses pères, eh bien Ézéchiel va parler d'une manière toute nouvelle. Il y a une espérance. Il va y avoir un relèvement, une sorte de résurrection, et ce, par pure grâce. Et puisque le peuple n'est pas capable de prendre soin du nom de Dieu, alors Dieu décide de prendre lui-même soin de l'honneur de son nom. Mais il ne le fera pas sans son peuple. Et Dieu décide de refaire confiance à son peuple, et pour marquer cette toute-puissance de cette initiative inattendue, Ézéchiel va insister sur l'emploi de la première personne du singulier pour désigner la volonté divine de l'exaucement de la prière. La première promesse est le rassemblement et le retour des exilés sur la terre initialement promise. La seconde, qui est la préoccupation fondamentale d'Ézéchiel, c'est de sensibiliser le peuple à la purification de son péché, tout en étant intimement lié dans sa foi à son Dieu. Ézéchiel ne ménage pas le peuple en le mettant devant la réalité de la situation. Et si c'est à partir de sa détresse que le psalmiste crie et prie, eh bien c'est depuis l'exil à Babylone qu'Ézéchiel prophétise. Et cette réalité est la conséquence de l'endurcissement de son cœur. Arrive la troisième promesse de Dieu qui confirme de donner à son peuple un cœur neuf et un esprit neuf. Un cœur neuf. C'est ce mot que je garderai aujourd'hui. Un cœur, ce mot si important dans l'alliance que Dieu tisse fidèlement avec son peuple. Le cœur, ce petit mot de rien du tout qui définit en profondeur l'être humain, ce cœur qui est le centre de l'être humain, le siège de sa personnalité dans ce qu'il a à la fois de négatif comme le ressentiment ou l'indifférence et de positif comme étant le lieu le plus intime de la rencontre de l'homme et de son Dieu. Ézéchiel sait parfaitement que le cœur de l'homme est le lieu de l'activité humaine la plus vraie. Et il distingue deux choses fondamentales qui sont toujours d'actualité puisqu'il s'agit de notre propre humanité.
D'une part, il y a cette réalité extérieure visible, charnelle, repérable par les gestes rituels, et d'autre part, par la réalité intérieure qu'il désigne par le cœur, duquel jaillissent les intuitions les plus personnelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors la purification du peuple, si chère à la prophétie d'Ézéchiel, ne sera authentique que si elle est signe d'un renouvellement intérieur. Et pour qu'elle soit effective, le Seigneur va lui-même opérer la transformation du cœur de pierre de son peuple en un cœur de chair, opérer qui fait penser au terme chirurgical d'une opération à cœur ouvert. Et l'on sait combien cette opération est délicate et elle laisse sur le corps la trace d'une cicatrice rappelant la blessure. Elle rappelle le difficile apprentissage de la vulnérabilité qui décrit d'ailleurs le caractère de quelque chose de fragile. Et le mot « vulnérable » contient en lui-même la notion de blessure. Notre société actuelle nous rend attentifs à la vulnérabilité par la parution de différents ouvrages dont la plupart proposent de transformer cette vulnérabilité en force et de ce fait essaient de le convertir, de convertir ce pauvre cœur de chair en un cœur de pierre bien résistant à toutes les tribulations humaines. Cela peut être une mécompréhension de la vulnérabilité. Car si le Dieu de la Bible insiste tant sur le cœur de chair, c'est pour que chaque membre de son peuple soit rendu attentif à l'autre. Ce qu'il désire ardemment, c'est que son nom ne soit plus profané. Et pour qu'il ne le soit plus, il s'agit alors de mettre, voire de remettre, dans ce cas précis, l'autre, le prochain, sur le devant de la scène. C'est tout ce que Dieu demande, de mettre en pratique le commandement d'amour, non pas comme un carcan obligé, mais comme un amour qui inclut un service désintéressé, où l'autre sera aimé comme il a besoin de l'être et non seulement nos propres critères. Ce qui fera écrire l'apôtre Paul plus tard à ses amis les Philippiens, les chrétiens de Philippe, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, l'humus, l'humain, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » La frontière entre un cœur de pierre et un cœur de chair est très mince, en fait. Devant ce besoin impérieux et souvent irraisonné de se protéger, nous restons barricadés dans un cœur de pierre jusqu'à l'intérieur même de nos églises. Mais ce qui est demandé ici, ce n'est pas de se blinder contre les autres à tout prix, comme si nous étions une forteresse assiégée. Le danger d'un cœur de pierre, c'est qu'il n'y ait plus de place pour l'humanité, celle de l'autre et la nôtre, collectivement et individuellement. Ce qui est demandé ici, c'est un cœur de chair capable de regarder l'autre comme étant moi-même, rendu attentif et sensible au mal, au malheur de l'autre. C'est un cœur qui sort de cette impassibilité mortifère. Si un cœur de chair est un cœur individuellement capable de se remettre en question, qui n'a pas la prétention de tout maîtriser, et qui accueille le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, qu'en est-il de ce cœur de chair du point de vue collectif et même du point de vue ecclésial, quand une église, à commencer par la nôtre, se raccroche à des formules dogmatiques ou se fige dans des règles ou des rites qui abandonnent toute souplesse comme si elles étaient détachées du monde
autrement dit du réel, du concret de la vie des personnes qui composent la dite Église. Restons attentifs, voire vigilants, en tout cas veilleurs, à ce que ce cœur de chair ne se rigidifie pas au risque de retrouver le cœur de pierre précédent. Car souvent, il n'y a qu'un pas pour le cœur redevenu dur ne songe à ramasser de vraies pierres, celles-ci, qui seront jetées sans hésitation au nom d'une règle justifiée sans aucun doute sur la femme adultère, vraie ou supposée, mais aussi sur l'homme fraudeur, vrai ou supposé. Hélas, nous restons toujours l'infidèle ou l'hérétique d'un autre. Il en faut si peu pour être à notre tour pétrifié. Alors, la parole ne peut plus faire son chemin à l'intérieur de l'être humain. Notre vigilance en ce temps de l'Avent, c'est vraiment de faire attention à ce que notre propre cœur ne se sclérose pas, qu'il soit toujours attentif et compatissant, afin que la parole puisse toujours s'y imprimer. Alors le divin prendra corps en nous, en permettant qu'il vive en profondeur, sans craindre les émotions qu'il libère. Ce temps de l'Avent s'ouvre aujourd'hui avec la prophétie d'Ézéchiel. Cette promesse inlassable de Dieu de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Le peuple d'Israël devra néanmoins attendre plusieurs siècles avant d'accueillir celui qui, nous le croyons, incarnera et accomplira cette promesse. Jésus de Nazareth donnera sa vie pour que notre relation à Dieu et notre relation aux autres ne soient plus jamais paralysées, pétrifiées, gelées, mais qu'au contraire, elles soient pétries de notre humanité, souvent blessées, certes, mais inlassablement en voie de guérison, par l'attention et la compassion, la justice et la reconnaissance. Amen.